you gonna do with that dessert? Do what do I dig that dee da dee da do what do da dee da do da dee da do what do da dee da. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo pour ma chaîne. Parce que là, pendant cette semaine c'est une vidéo par jour. C'est super compliqué de faire une vidéo par jour, vous savez. Mes journées se résument à tourner, monter, faire la miniature et publier le lendemain matin. Voilà, alors juste pour ça j'aimerais que vous likez la vidéo. Voilà, ça me ferait plaisir. Et dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez de ce type de semaine de... Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire mes envies de chaussures pour la rentrée, en fait, ce que je veux un petit peu. Alors si je regarde par là, simplement c'est parce que j'ai mon petit ordinateur qui me répertorie toutes les paires que j'ai prises pour la rentrée. Voilà, il y en a quelques-unes, bon il n'y a pas tout, parce que sinon il faudrait un peu plus de temps, hein, parce que tout ce que je veux, c'est pas possible. Voilà. Avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser pour mes petits cheveux qui partent en cacahuète là, parce que c'est juste, je suis pas encore allée chez le coiffeur. Voilà. Bon bref, on commence. Alors la première paire, c'est une paire de Nike Revolution 3. Alors c'est une petite paire de chaussures très simple, voilà, noire basique, que j'aimerais avoir. Voilà. Du coup, je vais me décaler un petit peu là, tu vois, pour vous la mettre ici. Du coup, voilà, c'est celle-là. En deuxième paire, c'est la paire de, ça c'est mon petit bijou, ce que je veux absolument, je vous les mets là encore. C'est les Nike Air Max 52. Alors ces chaussures, c'est la prunelle meute de mes yeux, ces chaussures. Je les veux absolument. Les Révolutions, les Nike, la première paire, elle est à 73€. Et celle-là, à 90€, je peux la trouver. Voilà, ça passe encore pour une paire de chaussures, mais franchement, je pense que c'est ceux que j'aurai au pied pour la rentrée 2017. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir, je rentre en quatrième. Et bon, en quatrième, du sérieux, quoi. Alors, en troisième paire, c'est les Nike Presto. Je ne sais pas pourquoi, je n'en ai pas pris avant. Oh, mais franchement, ils sont tellement belles. Je vous mets une photo ici. Alors là, j'ai pas trop le prix. Ah, si, je l'ai là. Donc, c'est 90€ au lieu de 130€. Donc, franchement, avec la semelle blanche, là, je la trouve trop stylée. Mais franchement, Nike, moi, je veux que du Nike. Nike, Nike, Nike. J'aime cette marque. Donc, Nike, mon email en description, hein, si jamais vous voulez effectuer quelque chose avec moi. Donc c'est la paire de Nike Presto Essential en noir avec semelle blanche. Voilà, à 90€, ça fait très plaisir. Quatrième paire, c'est les ASICS Noza. C'est pour mes chaussures de sport. Alors cette année, j'avais la paire d'ASICS Noza Gel Light. Non, que gel 11, je vous la mets là. Voilà. Et cette année, bah, je reveux une paire de Nike Noza. Je ne sais pas laquelle parce qu'il y a beaucoup de coloris, mais j'en veux une. Bon, ça tourne environ au prix de 120€, 110€ là. C'est pas trop donné pour une paire de chaussures de sport, mais franchement, je kiffe ces chaussures. Ça m'amortit tellement bien le talon et franchement, je kiffe. Alors, en cinquième paire, bon, celle-là, je ne saurais pas vous dire le prix parce que je ne l'ai pas trouvée sur un site parce que j'ai pas forcément voulu la chercher. Parce que j'ai pas voulu chercher tout simplement. C'est la paire de chaussures Air Max. Voilà. Je sais pas si ça se prononce très bien comme ça. Je suis pas un pro des chaussures. Je vous mets une petite photo là. Voilà. Celui-là, je la trouve plutôt sympathique. Alors, je vais vous faire le classement de ce que je veux absolument. Alors, en premier, c'est la paire d'Air Max 52. En deuxième paire de chaussures que je veux absolument pour la rentrée, c'est les Nike Presto Essential. Parce qu'on m'a dit que c'était comme dans une pantoufle. Alors, je veux absolument cette paire. Après, la paire de Nike Revolution. Bon, ça, je pense que je vais me l'acheter tranquille. Tu vois, je vais arriver au magasin. Je vais déposer mes petits billets. Puis, je vais la prendre dans mon petit sac. Hein. Tu vois, on va faire ça. Et après, bah, bien sûr, les ASICS Noza. Je suis obligée de les acheter. Cela même si coûte un peu cher, je suis obligée parce que pour le sport, on sera très bien obligé d'avoir une bonne chaussure de sport. Je vais pas faire sport avec des, Stan Smith quoi. J'en ai déjà vu faire du sport avec des Stan Smith. Pauline ou Capucine, tu passes par là. Dédicace à vous. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'hab, tu laisses un petit pouce bleu. Tu cliques sur le bouton t'abonner. Non, là on dirait trop Swan the Voice. N'oubliez pas au pouce bleu et pense à t'abonner. Bisous bisous. Non, alors tu t'abonnes, voilà, parce que s'il te plaît, mon rêve ça serait d'avoir les 1000 abonnés avant la rentrée. Et la rentrée c'est dans 2 semaines, alors tu cliques sur le bouton partager et tu partages ma chaîne, s'il te plaît. Fais-le pour moi, fais-le pour l'avenir de la chaîne. Aux 1000 abonnés, je vais gagner un de mes t-shirts. Je compte sur vous. Bye, ciao. Si vous avez d'autres idées de vidéos pour la semaine de vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, ciao, bye, c'est Merle, hey, bye. À vous, on aurait dit trop de Kairi à la fin de la vidéo. Oh, ça me saoule de regarder le retour. Faut que je vous regarde, vous, mes abonnés. Merci pour tout ce que vous faites. Ciao, bye, boum.